à chacun pour ce temps de culte de la dynamique mulhousienne qui réunit nos six paroisses, avec aujourd'hui en invité, pour la prédication, le pasteur Frédéric Venagel, président du consistoire réformé de Mulhouse, et dont les paroissiens de Cernay nous rejoignent aussi souvent pour nos cultes vidéo. Bienvenue à tous. Grâce au souffle du vent, le voilier escalade la crête des vagues et traverse l'océan houleux. Grâce au souffle dans son corps, le coureur saute les obstacles et bondit jusqu'au bout de la piste. En nous, l'Esprit de Dieu est semblable au vent. Il est comme le souffle de Dieu, nous rendant capables d'avancer, malgré les difficultés, sur le chemin de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. C'est la fête du souffle de Dieu répandu en tous les habitants de la terre. Amen. Respiration devienne prière pour que nous soyons fortifiés par le pardon et l'amour de Dieu. Nous pouvons lui confesser notre péché. Nous sommes éparpillés, ballottés, tiraillés. Nous entamons sans terminer. Nous avons des vies fugitives. Nous avons peu d'autres certitudes que celles de notre finitude. Nous nous inventons des occupations, des missions, des horizons, des destinations. Nous nous attachons pour ne pas nous envoler. Nous cherchons l'absolu et nous sommes morcelés. Nous aimerions tellement tenir entre nos mains un peu de nos destins. Heureux sont pourtant ceux qui se savent vaincus, qui perdent leur temps, leurs projets, leur vie, pour les confier pleinement, Seigneur, à ta continuité. Amen. Nous écoutons l'annonce du pardon de Dieu pour nous à travers les mots du poète Gilles Baudry, qui est aussi moine. Ton nom, le seul sésame dans nos impasses, la seule clé après avoir perdu jusqu'à l'adresse de notre cœur. Ton nom, pour t'abriter contre les vents contraires, le refuge, l'ouvert,
en ce monde sans âme et sans horizon, ivre de son propre vide. Ton nom, lancé à la criée de tes miséricordes, car nous portons en nous de l'inguérie. Ton nom, qu'il nous bénisse et qu'il nous absolve. Amen. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures pour qu'elles deviennent toujours pour nous une parole de vie. Esprit, souffle vivant du Père, sans qui nous sommes enchaînés, viens, grand vent de liberté, viens dire en nous toute prière. Esprit, présence en nous du Père, brise nos cœurs, ouvre nos mains, donne le feu lorsque tout s'éteint. Tu es la source où l'on espère. Esprit amour brûlant du Père, tiens-nous captifs devant la croix. Fais taire en nous toute autre voix, sois sagesse et sois lumière. Amen. En ce jour de la Pentecôte, je vous propose de vous raconter l'histoire de la Pentecôte, de la venue du Saint-Esprit grâce à une histoire Godly Play. Alors avec du matériel Godly Play, c'est-à-dire du matériel que l'on utilise normalement avec les enfants, mais pour des histoires pour tous les âges. Cette boîte ressemble à une parabole, mais elle est rouge. C'est peut-être comme une parabole, mais pas tout à fait une parabole. J'ai une idée. Regardons ce qu'il y a dedans. J'ai trouvé quelque chose pour raconter l'histoire. Il n'y a rien d'autre pour raconter pour l'instant, pour nous préparer. Je pense qu'on peut commencer. Il était une fois une très grande tour. Tous les bâtisseurs travaillaient ensemble et parlaient la même langue. Mais plus la tour s'élevait, plus les bâtisseurs parlaient de manière différente. La tour s'est approchée de Dieu. Mais les bâtisseurs avaient oublié pourquoi ils la construisaient. Les bâtisseurs sont devenus très fiers. Ils pensaient qu'ils étaient devenus meilleurs bâtisseurs que Dieu lui-même. Chaque groupe pensait qu'il était meilleur que les autres. Un grand bruit, un vacarme, a remplacé leurs paroles.
Cela n'avait plus de sens. Tout le monde racontait du blabla. La tour s'est écroulée. C'est pour cela qu'elle s'appelle la tour de Babel. Le langage de chacun sur terre s'est brisé en morceaux. Chaque langue était belle, mais chacune était brisée. Des milliers d'années ont passé, Jésus est mort en croix, mais d'une certaine façon, il était encore présent avec les gens qui l'entouraient, tout comme il est présent encore avec nous. Les gens le voyaient toujours, ils ne pouvaient pas le laisser partir. Puis un jour, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Les disciples étaient à Jérusalem. Les voici, Simon-Pierre, Jacques le mineur, Jacques, Matthieu, André, Jean, Thomas, Jude, Simon le Zélote, Philippe et Bartholomée. Il y a 11 disciples parce que Judas s'est déjà suicidé. Jésus est sorti de Jérusalem et il a emmené ses disciples vers la montagne des Oliviers. Ou presque aussi loin que Béthanie. Jésus est alors monté et le Saint-Esprit, lui, allait bientôt descendre. Les 11 disciples sont revenus dans la ville et ils étaient remplis de joie et ils sont allés prier au temple. Puis ils sont montés dans la chambre haute et là, avec l'aide de Dieu, ils ont décidé que Matthias prendrait la place de Judas. Matthias est avec eux maintenant. Dimanche, les 12 étaient de nouveau rassemblés. Soudain, il y eut le bruit d'un grand vent puissant qui s'engouffra au milieu d'eux. C'était l'Esprit-Saint.
Ils étaient tellement remplis de sa puissance qu'ils semblaient brûlants. Leur langue brûlait dans leur bouche, ils débordaient de joie. Tant et si bien que les gens autour d'eux se demandaient ce qu'il se passait. Quand les disciples sont sortis dans les rues, il y avait là des gens qui venaient de plusieurs pays. Ils parlaient dans des langues différentes. Tout le monde voyait que les 12 s'étaient approchés de Dieu et que Dieu s'était approché d'eux, d'une manière toute nouvelle. Personne n'était dérangé par les langues différentes. Les disciples étaient devenus des apôtres. Ils ont voyagé dans le monde entier pour raconter justement cette histoire-là. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? »
Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs, d'autres se sont convertis à la religion juive et pourtant nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns aux autres « qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient des croyants en disant « ils sont complètement ivres ». Frères et sœurs, bienvenue dans ce temple de Cernay pour fêter aujourd'hui la Pentecôte. Pour nous chrétiens, c'est la fête du don du Saint-Esprit. Le texte du livre des Actes que nous venons d'entendre nous l'a rappelé. Mais cette fête n'est pas une invention chrétienne. Avant d'être une fête chrétienne, c'était une fête juive. Et avant d'être une fête juive, c'était une fête agricole païenne. Nous sommes 50 jours après la Pâque, d'où son nom en grec. Mais elle porte aussi un autre nom, la fête des semaines, Shavuot. Elle coïncide avec la fête des moissons, un jour d'action de grâce, après les 7 semaines en moyenne que dure la récolte, où étaient offerts les prémices de la terre, les premiers fruits. Elle était l'occasion d'un pèlerinage à Jérusalem et très vite elle fut mise en relation avec le don de la loi, l'alliance du Sinaï. Un thème qui revient souvent d'ailleurs dans l'Ancien Testament, on va se souvenir d'Ézéchiel, de Jérémie, les prophètes, qui nous rappellent que Dieu écrira sa loi non plus sur des tables de pierre, mais dans le cœur même de l'homme. Et par sa manière de raconter la Pentecôte, eh bien, l'évangéliste Luc montre que cette promesse s'accomplit. À Jérusalem, c'est la foule des grands jours, pèlerins venus accomplir le rituel, croyants d'origines diverses, juifs de naissance ou simples sympathisants, venus au rendez-vous du temple, l'un des 3 rendez-vous annuels. Les disciples sont là aussi, revenus à Jérusalem après l'ascension de Jésus. Ils sont environ 120 hommes et femmes qui se réunissent régulièrement à l'étage d'une maison de la ville, on pourrait dire le premier temple. La peur qui les habitait juste après les événements de Pâques a disparu. Il y a eu l'ascension et comme le dit Luc dans les derniers mots de son évangile, ils étaient retournés à Jérusalem pleins de joie. Ils sont donc là une 100, quantité absolument négligeable par rapport au nombre des pèlerins. Et survient alors cette histoire un peu étonnante de grands vents et de langues de feu dont le texte nous dit le nom Saint-Esprit. Je voudrais partager avec vous une image qui nous dit un peu ce qu'est le Saint-Esprit. Cette image, c'est celle du souffleur de verre. Quand on observe sa technique, on voit qu'il donne forme à son œuvre en soufflant à l'intérieur de celle-ci. C'est une très belle image de l'Esprit Saint, le souffle de Dieu, qui donne vie à notre foi en soufflant à l'intérieur de nous-mêmes, au cœur de notre être. C'est le Saint-Esprit qui ouvre cet espace de foi en nous, qui nous libère de nous-mêmes pour que la foi puisse grandir en nous. Oui, dans la foi chrétienne, Dieu n'est pas seulement le Père, le Dieu au-dessus de nous, ni seulement le Christ, le Dieu face à nous, il est aussi le Saint-Esprit, le Dieu à l'intérieur de nous. Dans son élan créateur, le Père, qui est à l'origine de toute chose, ne s'est pas contenté de donner l'impulsion initiale de la création,
Il a envoyé son Fils vivre parmi les hommes, et plus intimement encore, il a envoyé son Esprit vivre en nous. Alors au fond, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, et surtout, qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Et d'abord, tiens, une question comme ça. Hein ? Qui a eu le privilège de recevoir ce feu ? Ils étaient tous réunis, nous dit le texte, sans autre précision. Alors nos amis catholiques, un peu cléricaux, pensent qu'il s'agit des 12 apôtres. Ils sont les seuls à recevoir l'Esprit, ils seront les seuls à pouvoir transmettre la vérité de la bonne nouvelle. Alors que si on accepte l'idée que ce sont les 120 hommes et femmes qui sont au bénéfice de ce feu, alors pas de cléricalisme. Le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui se rassemblent autour de l'espérance en Christ. Allez, peut-être une vision protestante d'un sacerdoce plus universel. Première manifestation, celle d'un vent violent, soudain, inattendu. On est très loin de la brise légère qui fit sortir Élie de sa caverne. Un vent qui semble souffler de haut en bas, autrement dit un vent peu ordinaire, parce que même dans la pire des tempêtes, le vent ne souffle qu'horizontalement. Ce souffle de la Pentecôte se révèle donc bien être un souffle très particulier venant d'en haut, du ciel, de ce que nos anciens appelaient le monde de Dieu. Il nous rappelle cette relation verticale de Dieu vers l'homme. Cette relation verticale sans laquelle la relation horizontale, les hommes entre eux, est impossible. Sans cette relation à Dieu, il n'y a pas de véritable relation entre les hommes. Et puis le propre du vent, frères et sœurs, c'est d'être toujours en mouvement, insaisissable. On ne le voit pas, on ne voit que ses effets, il souffle où il veut et quand il veut. Un peu comme pour nous dire que lorsque le Seigneur donne sa parole, lorsqu'il s'adresse à chacun d'entre nous, lorsque cette parole nous courbe, comme le vent courbe les arbres, et nous redresse ensuite, c'est toujours une démarche inattendue, imprévisible. À Jérusalem, au matin de la Pentecôte, après le vent violent, un autre fait extraordinaire a lieu. Des langues de feu se posent sur chacun des disciples. Deuxième manifestation inattendue, imprévisible. Comme le vent, le feu est toujours en mouvement. Mais ici, notons quand même que ce n'est pas un feu qui dévore tout sur son passage de manière aveugle. C'est bien plus le feu à l'image du buisson ardent qui brûle et ne se consume pas, un feu qui ne détruit pas mais qui réchauffe, qui éclaire, qui ranime les forces. Un feu qui est donné à chacun de ceux qui sont là et non à quelques-uns qui pourraient par la suite s'en prévaloir ou s'en servir comme un outil de domination ou d'emprise sur les autres. Un feu qui est donné à chacun sous forme d'une langue. C'est le terme utilisé dans le texte. C'est-à-dire en grec comme en français, ce qui permet de parler, d'échanger, de communiquer, de dialoguer, de rencontrer l'autre. Si le souffle de la tempête, les flammes de l'incendie sont impossibles à maîtriser. Ce n'est pas le cas
du vent et du feu de la Pentecôte. Luc ne nous parle que de leurs effets bénéfiques. Ce souffle du Saint-Esprit permet la communication entre des hommes, des femmes, qui ne parlent pas la même langue. En fait, la seule chose que ce vent et ce feu ont réussi à détruire ce jour-là à Jérusalem, c'est ce mur de l'incompréhension qui nous sépare des autres. Le fossé, pour ne pas dire l'abîme qui a été creusé à Babel, se referme, se comble. L'humanité, j'ai envie d'employer cette image, retrouve son unité perdue. Oui, le Saint-Esprit de Pentecôte, de Jérusalem ce jour-là, aide à comprendre l'autre dans sa différence. Pourtant, nous le savons bien, c'est toujours difficile de comprendre l'autre, quelqu'un d'une autre culture notamment. Et même quand on parle la même langue, on donne parfois aux mots des significations différentes. On a tous notre propre grille de lecture et on passe notre temps à interpréter ce que dit l'autre et notre interprétation ne correspond pas toujours à ce que l'autre voulait dire. Et puis soyons honnêtes, nous savons bien que ce ne sont pas seulement les étrangers que nous avons du mal à comprendre. Comprenons-nous vraiment notre voisin, notre collègue de travail, nos frères et sœurs dans la foi, notre conjoint, nos enfants? Comment alors nous étonner si tous ces dialogues que nous avons sont quelquefois des dialogues de sourds? Chacun comprend chacun. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Saint-Esprit qui est passé par là. Il a fait d'une communauté aux limites très précises, une communauté ouverte. Ouverte sur le monde, sans distinction de race ou de langue. C'est bien, oui, c'est bien à la terre entière, à l'univers entier même, qu'est destiné cet évangile. C'est bien à la terre entière qu'il appartient maintenant de l'entendre, de le comprendre, de l'accepter et surtout d'en vivre. Et lorsque on accepte de vivre cet évangile, cette bonne nouvelle, alors les portes même fermées à double tour, hermétiquement, peuvent s'ouvrir, même là où on avait perdu tout espoir que la situation pourrait se débloquer. Et dès lors, là, à Jérusalem, les disciples, chacun selon sa personnalité, avec ses forces, ses faiblesses, sa foi ou ses doutes, ses compétences et ses manques, chacun se met à annoncer les merveilles de Dieu et chacun, quel que soit son langage d'origine, peut entendre les disciples louer, comme le dit Luc, la grandeur de l'œuvre de Dieu. C'est une explosion de joie, de gratitude, de louange. Vous faire un aveu, moi j'aime beaucoup cette notion d'ivresse qui s'emparerait des disciples. J'aime beaucoup cette notion d'ivresse qui les caractérise et qui fait quelquefois bien sourire. Mais c'est là comme pour nous dire que pour annoncer la bonne nouvelle, pour évangéliser, pour témoigner, il faut juste être un peu démesuré, il faut être un peu fou, bref, il faut être un peu ivre. Alors pas de vin doux, d'accord, mais ivre d'espérance, ivre de confiance, ivre de joie, ivre de solidarité, ivre de vivre. Le Saint-Esprit
Ainsi, c'est le Dieu de notre vie de tous les jours, c'est le compagnon de voyage, c'est celui qui marche avec nous, en nous d'ailleurs. Alors, c'est vrai que nos églises, volontiers, ont leur regard tourné vers ce qui s'est passé il y a 2000 ans. La naissance, la vie, la mort, la résurrection de Jésus. Ouais, c'est bien. Mais le véritable enjeu de la vie de Jésus concerne notre vie actuelle. L'évangile, bien compris, c'est pas l'évangile d'hier, c'est celui que nous vivons aujourd'hui. Et j'essaye alors d'imaginer, frères et sœurs, à quoi cette première communauté peut bien ressembler. Pour moi, elle ressemblerait à une église dont les membres sont mis en mouvement, à la rencontre des autres, de tous les autres. Parce que pour grandir, pour se renouveler, cette église de Jésus-Christ a fondamentalement besoin des autres. Parce que nous avons besoin des autres pour qu'ils nous parlent des facettes de Dieu que nous n'avons pas vues. Une église qui vit repliée sur elle-même, par habitude, prononce toujours les mêmes paroles, répète toujours les mêmes gestes, sans innover. C'est une église fermée à l'action du Saint-Esprit. Une communauté qui n'imaginerait pas autre chose que ce qu'elle a connu dans le passé est une communauté déjà morte. Nouvelle tour de Babel sans espérance. Et c'est le risque. À chaque fois que nous souhaitons que tout redevienne comme avant, c'est le risque de notre monde dans ce temps de l'après-Covid que d'aucuns croient maintenant ouvert. Comment se fait-il que chacun de nous entende dans sa langue maternelle? Qu'est-ce que cela signifie? Cette question, je suis persuadé qu'elle doit être la nôtre aujourd'hui, aujourd'hui encore, parce qu'elle vient interpeller la manière dont nous annonçons l'Évangile. Elle vient questionner notre prédication, qui très souvent se réduit à une sorte d'exposé d'une doctrine dont l'objectif est de nous faire croire que nous croyons bien. L'Église qui naît à Pentecôte, en revanche, et pour moi, frères et sœurs, est une Église qui ne s'enracine pas dans l'abstrait d'une théologie, mais dans le concret de la rencontre avec le Christ vivant, dans l'expérience vécue que les disciples ont fait de sa parole. L'Église qui naît à Pentecôte n'est pas une église de parfaits, de purs. C'est une église d'hommes et de femmes qui nous ressemblent, pleins de défauts, pleins de limites, de peurs, d'audace, mais qui deviennent des témoins indéfectibles de celui qui fait route avec eux. Si nous fêtons la Pentecôte tous les ans, ce n'est pas simplement pour se dire qu'un événement important a eu lieu il y a près de 2000 ans à Jérusalem, mais c'est pour affirmer que ce qui s'est passé jadis se passe encore, encore maintenant, encore ici, aujourd'hui. Nous croyons que Dieu nous envoie son Saint-Esprit pour que nous fassions de la résurrection du Christ une grande et bonne nouvelle. Alors, aujourd'hui, accueillons-nous mutuellement, avec nos différences. Laissons-nous enrichir par ces différences. Sortons
de nos chemins battus, osons de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, et puissions-nous quitter la chambre haute dans laquelle nous nous sommes tenus depuis quelques semaines, que soit celle du confinement sanitaire nécessaire ou que ce soit celle de nos fatigues, de nos illusions, nos amertumes. Nous quittons-la, non pour retrouver notre petit train-train habituel, nos routines bien rassurantes, mais animés de verbes nouveaux, d'agir nouveau, de volonté nouvelle, d'un courage nouveau pour annoncer et témoigner de l'Évangile. Oui, vraiment, Pentecôte, aujourd'hui. Amen. Confessons notre foi. Nous croyons en Dieu qui nous appelle à œuvrer à ses côtés en vue de construire le monde et de l'améliorer un peu plus chaque jour. Il est notre force et notre lumière et nous avons besoin de son amour et de sa force. Tout comme il agit par nos bras, notre intelligence et notre cœur. Nous croyons que le Christ nous a montré comment aider chaque être à porter sa souffrance et le guider sur le chemin de la vie et de la joie. Son esprit, l'esprit de Dieu en nous, est en nous, même quand nous l'ignorons. Nous avons confiance en lui, tout comme il nous fait aussi confiance. Nous croyons que cet esprit nous renouvelle et nous régénère, nous apaise et réoriente nos pensées vers plus d'espérance et de fraternité. Ainsi, nous contemplons sa gloire. Amen. Les autres grâce à la communauté de Corimila. Dieu de David, Dieu de Ruth, les héros que tu as choisis parmi les gens
étaient maintes et maintes fois ceux qui ont poussé au-delà des marges, ceux qui étaient oubliés par la société ou forcés de prouver leur propre valeur. Seigneur, nous nous souvenons des travailleurs de première ligne qui ont donné leur vie pour la santé nationale et de tous ceux qui pleurent la mort d'un proche. Nous prions dans ce silence que notre sens de la famille, du héros, de la nation, dépasse nos conceptions limitées de ces termes. Dieu des signes d'espoir et des plans prudents, alors que notre panique initiale s'estompe, que la démangeaison de revenir à la normale remplace la peur de la fièvre montante, garde-nous prudents et vigilants. Puissions-nous porter une parcelle d'humilité pour nous rappeler que nous sommes humains. Nous ne sommes toujours pas à l'abri des dangers de l'excès de confiance et de l'impatience. Nous sommes tout aussi susceptibles maintenant d'être sous l'emprise invisible de l'orgueil, sous l'illusion de penser que nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Puisse, Seigneur, ta présence durable nous fournir l'endurance dont nous manquons, pour que notre confiance puisse s'accroître avec une joie enracinée. Dieu des racines cachées, Dieu des puits profonds, comme il est merveilleux de voir les fleurs des semences plantées il y a des années. Des amis ont sonné et renoué non seulement parce qu'il y a du temps, mais aussi parce que l'amitié, la communauté sont réévaluées dans cette économie. Nous te remercions pour les expériences qui n'ont jamais été isolées, mais partagées, qui ont grandi au fil des années pour fournir silencieusement un écosystème dans lequel vivre, un sol fertile où nous prospérons. Dieu qui cherche, Dieu qui trouve, les 99 brebis se sont peut-être demandé où tu es allé quand tu cherchais la brebis perdue. Se sentaient-ils perdus sans toi? Ou savaient-ils que tu restes là où tu es toujours, avec tous ceux que tu aimes, où qu'ils soient? Si nous ressentons ton absence, pouvons-nous le sentir comme un mouvement vers les autres qui t'appartiennent, de sorte que l'assurance d'être en sécurité est liée à la guérison de l'ensemble du troupeau. Seigneur, dans le secret de nos cœurs, nous te confions tous ceux qui ont besoin du secours de notre prière. Et en communion les uns avec les autres, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
notre lumière, éclaire notre chemin et le chemin de tous les humains. Sœurs et frères, que l'Esprit de Dieu soit votre force dans l'épreuve et le consolateur dans la tristesse. Qu'il abreuve votre sécheresse, enflamme votre tiédeur, qu'il vous donne la joie qui demeure, qu'il ouvre votre cœur et vous conduise à Jésus-Christ. Allez confiant dans la paix et dans l'amour de Dieu. Amen. Voilà déjà 2 mois et demi que nous n'avons plus l'occasion de rencontrer nos paroissiens et paroissiennes. Et là, je suis particulièrement heureux de pouvoir dédier ce postlude à Suzanne, que l'on n'a pas revue et à qui l'on pense très fort. Conduis-moi dans ta vérité.